Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai encore un petit peu la voix cassée. C'est ce que j'ai eu le Covid pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai réagi à Gotaga. Il était en live sur Twitch. Moi aussi, j'étais en live sur Twitch. J'ai regardé un petit peu. Et honnêtement, j'en ai fait un petit best-of. Vous allez voir. Où bah, je donne mon avis sur son niveau, sur son deck, etc. etc. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, bon visionnage. Ton mana. Donc, j'inflige ouais, je beaucoup de vois. dégâts, ouais, mais. Mais il a mis l'argent. Alors, je crois qu'il a mis à peu près 600 euros, il a dit. Mais ce qui est bien, ouais, que Clash Royale, c'est que 600 euros en vrai, ça peut paraître énorme, mais en soi. Ah, c'est dommage, il a mal timé son mineur en vrai. Là, il aurait mieux timé son mineur. Là, il mettait tellement de dégâts en vrai de vrai. C'est dommage qu'il ait mal timé le mineur, tu vois. Tu vois, ça a quand même mis des dégâts et ça fait ouais, tu vois. Mais c'est dommage qu'il. En vrai, il aurait pu mettre vraiment. Il aurait pu mettre limite tomber la tour. Hein. Et je dis quoi, je disais. En vrai, avec 200 euros sur, 600 euros sur Clash Royale, limite, tu. Bah, t'as maxé ton compte, quoi. Alors qu'il y a des jeux avec 600 balles, frère, tu fais pas grand chose. Hein. Je sais pas, c'est un peu double tranchant. Ah, mais les gars, vous mettez 200 euros sur Clash Royale, vous montez à 5000 trophées facile. Hein. Bah, en vrai. Ouais, ça. Vraiment, la fournaise, elle est horrible à gérer. C'est ouf, hein. Mais t'es obligé de la gérer en vrai, sinon tu te fais gratter. Mon idole continue, merci Brahms. Mais par exemple, la fournaise, dites-vous qu'à ce qui paraît, elle fait plus de dégâts qu'une boule de feu, frère. Genre un esprit de feu. C'est un pay to win, bah en fait c'est un pay to win. En fait, par exemple, tu as Gotaga, on va dire. Là, il a un méga chevet level 14, le mec en face il est level 11, il a forcément pas des cartes floues. Ouais, c'est un peu un pay to win, tu vois. Mais à un moment, il va être bloqué, tu vois. Genre son niveau, il faudra qu'il s'améliore. Parce que ça, enfin, il va tomber contre des mecs qui auront les mêmes cartes que lui, donc en vrai, ce sera plus un pay to win. En fait, là, c'est un pay to win parce que les mecs en face sont moins bons. Ouais, c'est un pay to fast, tu vois. Parce qu'après, il va être bloqué en vrai. Ouais, j'ai jamais la fournaise, ça c'est bien. Oh, j'aurais dû le mettre direct, my bad. Après, ouais. Ok, les flèches. C'est quand même bien le week-end, ouais. Il joue quand même pas mal de légendaires, hein. Il joue quand même. Bah, la moitié de son deck, c'est des légendaires, je crois. Hein. Et boum. Ah. Il va sûrement mettre les squelettes, non? Enfin, c'est pas les squelettes, mais c'est quoi? Mais ouais. Tu vois là l'erreur qu'il a fait, c'est normalement quand un mec joue fuit à gobelin comme ça, tu dois tout le temps garder ta bûche au fuit à gobelin. Pas mal, belle défense non? Qu'est-ce qu'on en pense? Après il a les flèches aussi tu vois. Ouais ça va. Ouais c'est après il a les flèches quoi. Nul. Oh. Voir, c'est pas ouais j'ai vu. Ouais mais je m'en fous, ma tour elle est restée en vie. Non, en vrai, j'ai encore le Covid un peu, mais je suis un peu moins malade quand même. Bon, ça c'est bien joué. Mais en vrai, ça va. Après, il avait un bon match-up. En vrai, j'ai l'impression quand même. Le mec en face, c'était pas non plus Einstein, quoi. Genre, il pose des fournaises au pont, tu vois. Ça a aucun sens en vrai de vrai quand on y repense. En vrai, là, il a pas trop mal joué, mais le mec en face, il dormait un peu sur le PC, quoi. Bon, vas-y, on va regarder une ou deux games encore. Oh, salut, ouais. Ouais, ce qui paraît, tu grindes le ladder avec mon deck. Si un jour tu deviens le meilleur joueur grâce à ce deck, j'espère que tu oublieras pas. En vrai de vrai, le deck à Gotaga, moi je suis pas fan. Hein. Genre, en vrai, il est bien, tu vois, mais. Ouais, je sais pas. Hein, bon. Bah, c'est pas mon style de jeu, quoi. Bah, après, si vous voulez, je peux essayer de jouer le deck à Gotaga, tu vois, mais. Par contre, avec des flèches. Oh, je lui mets un gros MK dans sa gueule. En vrai, avec des flèches, louper le feu à gobelin, bon. Dommage. Chaque fois, ça se joue à rien du tout pour que j'ai focus. Ah, c'est tellement fort, en vrai. Eh, le mineur, il gratte, hein, par contre. Ah, what the fuck, hein. Voilà, Valkyrie qui revient en arrière. Un plaisir. Ok. Non, là, j'aurais mis j'aurais mis ça, voilà. Là ouais c'est pas mal ça, ça va bien gratter. Non pourquoi il met ça? Là tu vois genre en vrai il aurait juste à lui garder son élixir au final bah... Ah ouais c'est dommage là. Je pense pas, je pense qu'on s'en fout de ces unités là. Ah oui on s'en fout pas. Et au final tu vois il a plus rien pour... Oui c'est casse-couille. Oh lolo. Et le méga chevalier les dégâts que ça fait frère c'est... Ah ça va être encore trop laid. Tu vois si j'avais une meilleure gestion... Ouais en fait tu aurais... Genre là, tu vois, j'aurais tout, genre 0,5 plutôt, et du coup, ça jouerait bien mes trucs. Ah, il parle. J'aurais dû mettre la bûche plus tard.
Non. Ouf. Oula. Oula, j'ai eu peur là. Mais là, je pense. Ouais, bon bah, ouais, c'est chiant. Moi, honnêtement, je pense que ce qui manque dans le deck à Gotaga, c'est. Moi, j'ai du mal à jouer avec ça, c'est il manque une tour, tu vois. Enfin, une tour. Genre une Tesla, une TDE, une cage à gobelins. Oh, il a réussi à avoir pile le mana pour en mettre. C'est pas mal ça, en fait, que ça coûte 3 et tout. Ouais, en vrai, le chevalier est fort, hein, ce côté. Non, il a loupé quand même. Non. Dommage qu'il met pas sa bûche, ça aurait coûté moins cher, il a gagné un d'élixir en vrai. Ah, dommage qu'il ne met pas sur le cochon. Après, il met pas un coup, heureusement, en vrai. Un petit poison du côté adverse. Ok. Là, ça c'est bien joué. Il y a la chauve-souris qui va taper un peu du coup. La voleuse qui va peut-être charger. Ok. Oula, c'est pas mal ça. GG. Let's go. Ouais. En vrai, ça va, il est pas dégueu, hein. Mais tu vois, genre. Oui, j'en suis, c'est grâce à la notion du trait. Ça manque un peu de fluidité. Je sais pas, moi, je suis plus en mode, je mets le zap. Mais je sais pas. Parce qu'en vrai, mine de rien, Gotaga, il a quand même. Une carte level 14, deux cartes level 14, trois cartes level 14, cinq cartes. Non, quatre cartes level 14. Ouais, quand même, pas mal, tu vois. Parce que là, on est résultat entier dans le sens où il a rien à voir, etc. Mais si je fais pas le zap, que mon truc meurt sur son machin. En vrai, je pense qu'il tourne entre le zap et la bûche, tu vois. Il sait pas trop. Moi, je trouve que la bûche, elle est vraiment bien. Après, c'est vrai que le zap, quand le mec a la tour de l'enfer, c'est pratique. J'ai envie de push avec le méga chevalier, mais tu. Oula. Ouais, ça, c'était une connerie, ça. Ah, là, c'était une grosse connerie, là. En plus, derrière, il va falloir. Oula. Oula, là. Il va être indéfendable, maintenant. Oh, la connerie. C'est dommage. Aïe. C'est bon, je le sais, chat. Oula. Oula. Oula, ça va être compliqué, là. Ouais, ça va être chaud, hein. Vous êtes sur Cash Crawl ? Ah ouais, bah ouais, tout le monde rejoue, hein. Ouais. Là, je regarde un petit peu les mecs jouer, là. Bah ouais, quand tu... Ouais, c'est quand... Enfin... En fait, le zap, c'est fort de fou, quand même. Il défend pour contre-attaquer, ouais, c'est ça, en fait. Mais je me dis qu'en fait, il a déjà électro-sorcier, tu vois. Et j'attaque quand. J'attaque après quoi. J'avoue, il a peu les offres de Noël. J'avoue qu'il a. C'est dommage. Hein. Le problème, c'est que là, il est vraiment beaucoup devant donc. Merde. En vrai, là, le dragon de l'enfer, c'est quand même fort, mine de rien. Mais là, il pourra jamais gagner, c'est impossible. En vrai, vous en pensez quoi de son niveau, en vrai, objectivement parlant, hein. Pour un mec qui joue depuis 3 jours, je trouve que ça va quand même. Après, c'est sûr que... Bah en fait pour un mec, c'est sûr que là il devrait mettre les flèches, là. Je sais pas ce qu'il a, ah il prend pas le truc derrière. Il va prendre le bombardier en vrai. Ouais, c'est... Bah en fait je pense qu'il va vite bloquer tu vois. Après je pense qu'il va vite bloquer tu vois en mode... Dans un mois il peut être à 6500 trophées. Ouais. Ah, il y a moyen, ouais. J'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas. Ouais. Bon, on va dire, en vrai, cette game-là, elle est pas très bien jouée. Du coup, les potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du niveau de Gota. Bref, nous, surtout sur Twitch, la chaîne est directement en description. C'était Cocteau, ciao.